Bonjour. Allô. Ah, Sléma. Shalom. Bonjour. J'ai fait toute ma scolarité jusqu'à mes 18 ans en Tunisie, puis je suis venue en France pour faire une prépa, et là je suis à l'école polytechnique. J'étais à Imperial College où j'ai fait un bachelor en mathématiques et en informatique. Alors, je viens de Nîmes, j'ai fait une prépa à Lyon. J'ai intégré l'école polytechnique à la suite d'une classe préparatoire BCPST. Sûrement de la stratégie dans le domaine de l'énergie. J'aimerais bien donc continuer dans la recherche sur le climat. J'aimerais bien avoir une carrière dans l'entrepreneuriat. J'aimerais faire du conseil pour obtenir de l'expérience. Ou un master dans le biomédical, ou un master d'immunologie. Et après, je me vois plutôt faire une thèse. Je me vois bien dans un laboratoire en France ou à l'international en train de travailler sur la climatologie. J'aimerais bien travailler à l'interface entre la recherche et tout ce qui est plus développement clinique. En fait, pour un enfant, il faut qu'il se considère qu'il est dans un magasin de jouets immense. Il est à la recherche de certains jouets. Au lieu de passer donc 5 heures à chercher dans tous les rayons pour trouver son jouet, la data science, c'est un outil qui permet de sélectionner des informations et de trouver le jouet en une minute. Une des choses que j'apprécie le plus, c'est qu'elle fait des recettes. Et parfois, la cuisine, ça marche, parfois, ça marche pas. Et donc peut-être que je lui dirais qu'en fait, on récolte des données sur la cuisson, très très minutieuses, et on se dit bah, pourquoi est-ce que dans ce cas-là ça a marché et comment est-ce que tu peux rendre ton plat encore meilleur. Extrêmement enrichissant. On a à la fois des formations de qualité qui nous permettent en plus de ça de nous entraîner, des tests qui sont en accord avec les formations. En fait, pour moi, c'est une expérience qui permet réellement de mettre la main à la pâte et d'avoir un encadrement qui nous soutient et des personnes qui peuvent répondre à toutes nos questions. Et c'est surtout le fait d'apprendre et d'exécuter. Une application de la data science qui m'intéresse énormément, c'est dans le domaine du médical. Je trouve ça fascinant qu'avec des données, on tire des patients, on puisse décrire s'ils ont des chances de développer telle ou telle forme de maladie. Sur les thématiques du climat, c'est le fait d'utiliser les satellites, les drones et les avions pour récolter des informations. Pour moi, c'est essentiel. C'est seulement en codant et en écrivant le code qu'on va se poser la question de l'intérêt de chaque ligne de code. Je trouve que c'est vraiment super. Le code, quand on le lit, parfois, on a l'impression de le comprendre, mais on n'est pas capable de le reproduire. J'adore, parce que c'est génial dans le sens où on peut essayer plusieurs fois et continuer à se former, s'entraînant justement. De faire data scientist. Je pense qu'il faut vraiment comprendre les fonctions de base, bien comprendre comment ça marche, et ensuite petit à petit ajouter des fonctions. Pour moi, le plus important, c'est de trouver une motivation pour faire de la data science. Personnellement, j'ai trouvé dans le climat l'importance de la data science pour le climat, et je dirais c'est trouver la motivation qui va te pousser à étudier la data science. Je dirais enrichissante. Je dirais fun, parce qu'on apprend des choses et en plus on s'amuse. Excellente. Pour la patrie. Et les sciences. C'est la gloire. Para la patria, la scienza y la gloria. Für das Vaterland, die Wissenschaften und die Ehrlichkeit. L'Ouattan ou l'Ouloum ou l'Majd. Les Mouledet, les Mada, Veleteila. Merci Data Scientist. Vielen Dank, Data Scientist. Merci Data Scientist. Gracias a Data Scientist. Shukran Data Scientist.